Au lieu d'offrir un bouquet de fleurs, à des gens de Corbie que vous aimez, vous pouvez faire livrer une chanson à domicile. C'est combien la prestation déjà? Ah ben c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait gratuit, dans le sens que c'est le service culturel de votre ville qui nous fait venir. Et qui finance. Donc quelque part, c'est vos impôts. Il y a des belles chansons d'amour à l'ancienne, Parlez-moi d'amour par exemple. Vous avez Love Me, Tender, Love Me. Non, le pauvre, ce que vous m'avez dit. Vous avez dit après, il y a Que je t'aime, carrément, Que je t'aime. Ouais, non, non, alors, non là, ça fait trop là. Passé dans le centre-ville et puis j'ai vu ça. Et là, vous offrez quoi à qui? Pour ma femme, pour son anniversaire qui a eu lieu hier. C'est Bob Marley. Pour des amis à vous qui... C'est pour un copain qui fête ses 40 ans. Ah bah alors vous allez nous faire une très très belle dédicace. Hein. Comment on termine ce petit mot? Je t'embrasse, je t'aime. Ah, je t'aime, ouais. On y va carrément. Ouais. Oh, allez. Ça fait plaisir, copie, ça change un peu le moral. Je trouve ça génial. Et j'espère qu'il va être surpris, parce que j'aime bien faire les surprises. À tout à l'heure, Madame Mireille. Oui, bonne livraison, ça y est. Bonjour Martine. Figurez-vous que Olivier, ici présent, est passé nous voir pour que je vienne vous chanter une chanson de sa part, comme un petit cadeau qu'il vous fait. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face et visiter ton paradis. Voilà, merci. Merci. Bah, rien. Voilà, c'était le petit cadeau de la part d'Olivier. Ça vous a ému? Oh bah oui, plutôt, hein. Je m'y attendais pas. Et puis bon, c'est vrai qu'il n'est pas expressif, donc là, ça m'a d'autant plus touchée. Bonjour madame, vous êtes Annie de Guerville? Oui. Je viens pour une livraison, pour Fabrice. Je m'appelle Daniel, je suis un livreur de chansons à domicile. Donc, pour Fabrice, de la part d'Isabelle, il y a des personnes qui laisse des traces indélébiles dans la vie. Et tu en fais partie. Un petit cadeau musical pour égayer votre journée. Papa et maman, amusez-vous. Profitez de la vie. Ils portaient des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, contre une locomotive qui filait vers le midi, et quand on débarrassa les débris... Ce qui me plaît le plus, en fait, c'est d'être le messager, ou la messagère plutôt, d'une personne qui va offrir une chanson à quelqu'un, qui va lui dire quelque chose, lui déclarer son amour, son amitié, son soutien, sa tendresse. Et ça, c'est génial. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Oh no, no. Je m'y attendais absolument pas, donc oui, une chanson. Voilà, puis elle sait que j'aime bien Bob Marley, elle sait que j'aime bien le reggae, donc elle a encore touché où est-ce qu'il fallait, donc c'est que du bonheur pour moi en tout cas. Dégâts, ohé, ohé, au bal, au bal masqué, ohé, ohé, on ne peut pas. S'arrêter, ohé, ohé, de danser, danser, danser. Bravo. Bravo. Merci. Devinez qui je